Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Alors pour faire suite à la vidéo du bonnet connecté, on va suivre avec le temps actuel, l'automne, l'hiver qui arrive. On va avoir un petit peu froid à notre tête, donc pensez à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le bonnet connecté pour jumeler avec le bonnet. Je vous ai dégoté une petite paire de gants à moins de 20 euros, une petite paire de gants tactile qui va nous permettre, grâce à un système ingénieux, de pouvoir se servir de n'importe quel smartphone ou tablette. Donc ça veut dire que grâce à ces gants, vous allez avoir vos petites mains au chaud et en plus vous allez pouvoir quand même jouer du tactile. Alors ces gants sont tout simplement en laine. Ils ont une petite particularité, c'est que en fait, je vous le montre en très gros. Sur trois doigts, sur le pouce, l'index, le majeur, vous avez trois petites différences en termes de couleur. Vous avez en fait une texture qui va permettre de dire à votre iPhone que c'est vos mains qui touchent et non pas les gants. Alors c'est assez extraordinaire puisque on va garder pour les baroudeurs ou pour les gens qui ont froid rapidement aux mains. Grâce à ces gants, vous allez quand même pouvoir jouer avec votre iPhone, avec votre smartphone à l'extérieur, même par grand froid. Alors on va tout de suite tester ensemble. Alors ces gants sont de différentes couleurs, on peut les trouver en noir, en bleu, en jaune, en blanc. Je vous mettrai le lien de la description. Donc comme vous pouvez voir ici, une texture en nylon et en argent, et qui va dire donc à votre appareil que c'est vraiment vos doigts. Ici, si vous voyez avec par exemple l'auriculaire, si je touche lui qui n'a pas la texture, lui qui n'a pas la texture spécifique, si je touche avec le gant, voyez, rien ne se passe. Alors ici, regardez ici pareil, donc rien ne se passe, plus que on n'est pas à l'endroit précis où se trouve le repère. Maintenant, si vous voyez ici, je vais y aller avec majeur droit, donc donc vous voyez, on peut sans problème avec nos gants à l'extérieur pouvoir gérer notre smartphone sans aucun problème. On veut avancer par exemple la page. Page 3 sur 4. Donc on pose nos trois doigts sur l'écran comme d'habitude. Et ici, si je désactive pas un voice-over, vous allez voir ici, donc c'est tout lisse sans aucun problème. Vous voyez, donc on peut se servir des gants en tactile. Regardez les pouces. Ces gants sont vraiment pratiques. Avec le bonnet plus ces gants, vous allez pouvoir avoir une belle panoplie. Je trouve que pour des petits cadeaux de Noël, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, je vais vous faire différentes vidéos comme celle-ci. Des petites idées cadeaux. Avoir les mains au chaud, tranquille. Donc ici, voice-over activé. FaceTime. Feedback. Garage Band. Vous voyez, action disponible. Si je fais avec le doigt, ça marche pas. Et avec Google Home, hors toi, hôtel for you. Page 4 sur 4, le populaire. Alors, une panoplie pour l'hiver, avoir des gants et pouvoir gérer tranquillement vos smartphones. Par exemple, je vous mets, ça marche donc avec n'importe quel smartphone. Vous allez voir ici avec un Windows mobile, vu que c'est tactile ici. Regardez. Alors ici, vous voyez, on peut jouer du tactile sans aucun souci, puisque si je vais avec, où il n'y a pas la petite tache blanche, comme si vous voyez en gros sur l'écran, on ne peut pas gérer notre tactile. Vous voyez ici. Vous voyez, je vous fais montrer. L majuscule. Voilà pour les gants donc tactiles qui vont vous permettre de gérer vos tablettes, vos smartphones en général, puisqu'elles sont compatibles avec n'importe quel système tactile. N'hésitez pas donc à me poser des questions dans les commentaires, à me mettre un petit pouce en bas de la vidéo si la vidéo vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis donc à très bientôt. Et pensez bien à vous abonner pour continuer à suivre les prochaines vidéos sur les petites idées cadeaux. À très bientôt. Salut!